Une question que me posent souvent mes étudiants. Mais c'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? Eh bien, j'ai longtemps eu une réponse assez simple à cette question, et puis après quelques recherches, je me suis rendu compte que les choses étaient un peu plus compliquées et aussi un peu plus intéressantes. Donc t'as rendu une réponse simple, compliquée? Félicitations, je pense que t'es bien philosophe. Merci! Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander comment définir la morale et comment définir l'éthique. Et avant ça, puisque les philosophes ne sont jamais assez méta, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'une définition? This is why everyone hates moral philosophy professors. Et on va répondre à cette question grâce à ceci. Qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la morale? Dans les discussions sur cette question, on entend souvent que les deux termes proviennent d'une étymologie similaire. Éthique vient du grec ethos, qui signifie l'habitude, la coutume ou le caractère. Et morale vient du latin mos mores, qui renvoie à l'habitude, la tradition ou encore les mœurs. Et l'expression philosophie morale vient de philosophia moralis, la traduction donnée par Cicéron à la discipline philosophique qu'Aristote avait nommée ta ethica. Ituta, quelle grossièreté! Bon, donc en conclusion, c'est pareil, merci. Donc en effet, si on se fie à l'étymologie, on pourrait avoir tendance à dire qu'il n'y a pas de différence entre éthique et morale. Mais est-ce que l'étymologie doit avoir le fin mot dans cette affaire? Et au fond, qu'est-ce qu'on attend quand on demande qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que la morale, quand on demande une définition? Est-ce qu'on s'attend à toucher la véritable essence du terme? Et est-ce qu'une telle essence existe réellement? Pour ma part, j'adopterai une position nominaliste, assez consensuelle chez les philosophes, considérant qu'il est inutile de rechercher l'essence véritable ou authentique de l'éthique ou de la morale, mais qu'il s'agit de simples constructions humaines qui sont affaires de conventions sociales. Dès lors, ce qui compte pour une définition, ce sont avant tout les usages. Et donc si vous parvenez à me montrer qu'il existe un usage dominant pour considérer que éthique désigne la même chose que ceci, un chou-fleur, ou pour définir la morale comme ceci ou comme cela, ben, ça suffira à me convaincre. Comme on ne cherche pas l'essence intrinsèque de ces termes, il ne faut pas non plus accorder trop de poids à l'étymologie, même si elle peut être pertinente pour comprendre l'évolution des usages. Donc le fait que les deux termes, éthique et morale, aient une étymologie très similaire, ne prouve pas qu'il n'y a aucune différence entre eux. On pourrait très bien imaginer que, graduellement, le mot éthique en soit venu à désigner les choux-fleurs. Quelle belle éthique, hein ? Quels sont donc les usages de ces deux termes ? D'un point de vue sociologique d'abord, on notera l'usage des termes apparentés d'éthos ou de mœurs dans une approche descriptive pour désigner les règles et les normes de conduite particulières appliquées habituellement par une communauté ou par un individu. « Ô tempora, ô mores !» s'exclame Cicéron pour témoigner de son indignation face aux mœurs de son temps. On va laisser cette première approche aux sociologues et s'intéresser surtout au point de vue philosophique. D'un point de vue philosophique, on peut dire que l'éthique et la morale renvoient à une approche prescriptive qui touche au domaine des règles et des normes de conduite qu'il convient de suivre. Qu'est-ce que l'éthique ou la morale requiert? On n'est plus ici dans un sens descriptif ou sociologique, on est dans un registre prescriptif, on se demande quelles sont les règles qu'il faudrait suivre. Commençons par lever une première ambiguïté dans l'utilisation en français de ces termes. Ainsi, les mots éthique et morale, ou philosophie morale, sont utilisés pour désigner la discipline philosophique qui réfléchit sur les principes, les règles, les normes de conduite souhaitables, d'un point de vue d'une certaine idée de la justice ou du bien, mais éthique et morale peuvent également désigner ces règles et ces normes de conduite elles-mêmes. La langue anglaise évite cette ambiguïté en utilisant ethics pour désigner la discipline philosophique qui étudie ses règles et ses normes de conduite, et ethic au singulier pour désigner ses règles elles-mêmes. Et la langue allemande aussi utilise des termes différents pour ces deux niveaux d'analyse. Ok, mais tout ça ne nous dit toujours pas quelle différence en français entre l'éthique et la morale. Eh bien, intéressons-nous aux usages. D'abord, notons que éthique sonne un peu plus moderne, alors que la morale présente une connotation plus négative, comme dans moralisateur ou faire la morale. Alors cadre et alors morale à te balque. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Les bonnes zik, hein. Mais d'une manière générale, dans la philosophie contemporaine, éthique et morale sont souvent utilisés de manière interchangeable, et une majorité d'auteurs considèrent qu'il n'y a tout simplement pas de différence entre ces deux termes. D'ailleurs, la plupart des encyclopédies philosophiques n'ont qu'un seul article pour les deux termes. Ils pouvaient pas le dire plus tôt. Mais il semble y avoir ici une spécificité francophone. Si en anglais et en allemand, les deux champs de l'éthique et de la morale sont très largement pris pour synonymes, en français, le champ de l'éthique a plus souvent pris une signification autonome.
Et cette particularité est sans doute liée au rapport particulièrement conflictuel des philosophes à la religion en France, si on en suit les travaux de Schumacher. En effet, il semble qu'en France, vu le poids traditionnel de l'Église catholique sur les questions morales, le mot « éthique » a été progressivement préféré pour désigner les efforts de fondement rationnel des normes et des règles de conduite qui s'émancipent des dogmes religieux et tiennent compte de la liberté individuelle. Cette connotation continue de marquer les usages en français, alors que la morale évoque l'obligation, la tradition, souvent à connotation religieuse, l'éthique apparaît davantage comme rationnelle et plutôt respectueuse de la liberté individuelle. Comme la liberté d'être pieds nus sur une falaise en short. Dans les pays protestants, par contre, la réforme a donné une grande importance à la liberté individuelle, et on n'a pas connu un tel rapport conflictuel vis-à-vis de la religion, ce qui fait que le terme « ethics » en anglais a gardé le même sens que celui de « moral philosophy ». Et il semble que ces nuances particulières en français a inspiré certains auteurs à proposer une distinction particulière entre l'éthique et la morale. Ainsi, le philosophe français Paul Ricoeur suggère la distinction suivante. Je réserverai le terme d'éthique pour la visée d'une vie accomplie et celui de morale pour l'articulation de cette visée dans des normes caractérisées à la fois par la prétention à l'universalité et par un effet de contrainte. En très gros, l'éthique aurait donc plutôt une perspective individualiste et concernerait la question du bien ou de la vie bonne, qu'est-ce qu'une vie réussie, alors que la morale aurait davantage une prétention universelle et toucherait plutôt à la question du juste. Qu'est-ce que la justice requiert? Quels sont nos devoirs envers autrui? Cette distinction entre le juste et le bien est à l'origine d'un fameux débat en philosophie contemporaine entre libéraux et communautariens. On en reparlera en détail dans une autre vidéo, mais en gros, selon les auteurs libéraux, à la suite d'Emmanuel Kant ou de John Rawls, la justice a priorité sur le bien. Alors que pour les auteurs qu'on rassemble sous l'étiquette un peu fourre-tout de communautariens, c'est le bien qui a priorité sur le juste. Et c'est pas seulement un enjeu abstrait, puisqu'il touche notamment à la question de la neutralité de l'État, de savoir si l'État peut ou non défendre une conception particulière du bien ou de la vie bonne. Cette distinction, l'éthique plutôt individuelle et s'occupant de la vie bonne, et la morale plutôt universelle et s'occupant d'un devoir envers autrui, recoupe à peu près celle suggérée par deux autres grands penseurs, Ronald Dworkin et Jürgen Habermas. Mais comme ce serait trop simple, Habermas désigne aussi sa théorie sous l'expression « éthique de la discussion » pour désigner la recherche collective d'un point de vue moral à travers la discussion, qui a clairement une prétention universelle. Habermas lui-même a reconnu que l'appellation « éthique de discussion » n'était peut-être pas la plus heureuse, puisqu'il faudrait en fait parler de « morale de la discussion ». Bon, ben on n'est pas aidé là, hein. Non, et on est d'autant moins aidé que Ricoeur, une dizaine d'années après sa première proposition, a décidé de revenir sur celle-ci et d'en proposer une nouvelle, en distinguant cette fois entre la morale qui touche au domaine des normes, du permis et du défendu, et d'une part l'éthique antérieure, qui serait une méta-réflexion sur la morale, et d'autre part l'éthique postérieure, qui correspondrait en gros à l'éthique appliquée. Au final, près de 30 ans plus tard, on ne peut que constater que ces propositions de distinction n'ont jamais vraiment pris, et donc on ne peut pas vraiment dire qu'elles soient entrées dans les usages. Certes, certains auteurs continuent de s'y attacher, notamment par affinité avec les pensées des philosophes dont on a parlé, mais ils paraissent assez minoritaires. En outre, sous l'influence de la philosophie anglophone, l'anglais étant devenu la langue véhiculaire de la recherche académique, qu'on le veuille ou non, les termes éthique et morale sont de plus en plus utilisés de manière interchangeable, comme en anglais. En effet, on voit de plus en plus se créer des centres de recherche en éthique économique ou en éthique des entreprises, etc. Des usages qui ne cantonnent clairement pas l'éthique à la question de la vie bonne ou à une perspective individuelle. Dès lors, il y a fort à parier que cette distinction entre éthique et morale ait tendance à s'effacer et pas sûr qu'on doive la regretter. Et donc on peut tout à fait utiliser une des distinctions dont on a parlé, mais il vaudra mieux préciser l'éthique selon tel auteur ou la morale selon tel auteur, sinon vous risquez de ne pas être compris. Et donc à mon sens, pour éviter toute ambiguïté, il vaut mieux distinguer entre éthique individuelle ou éthique institutionnelle, ou entre questions morales relatives à la vie bonne ou à la justice. C'est moins joli, c'est moins catchy, mais au moins on se comprend. Sinon, je ressors mon chou-fleur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos du même genre sur l'éthique et les théories de la justice, et aussi des vidéos plus appliquées sur des thématiques comme l'éthique du climat, des pandémies ou du numérique.